Et yo tout le monde, on se retrouve sur Tomato 114 sur Craftmy RPV 2 pour vous montrer quelque chose. Animox de Dizzy, dit coucou. Coucou YouTube. Ça se voit mon pseudo. Je suis général militaire et aujourd'hui je vais vous montrer ma petite base militaire. Donc déjà voilà mon stuff général. Voilà. Voilà, donc déjà on commence par ici. Donc ici en fait ce sera des petits trucs au cas où si vous voulez par exemple vous assaut, voilà, pour les sniper tout ça. Voilà, je crois pas qu'on puisse tirer par dessus là. Ici, je devrais creuser de un trou parce que voilà, ici ce sont les limites. Donc c'est à dire que si on vous rentrez là, on vous dit une fois de vous barrer, si vous vous barrez pas, ça veut dire que regardez. Si on vous dit par exemple vous vous dites barrez-vous, si dans une seconde vous êtes encore là, on vous bute. Bon. Je vous explique là. Si vous êtes là, regardez, vous êtes encore là, si vous bougez pas. Si vous bougez pas, vous avez 5 secondes pour bouger. Bah, c'est en gros, en fait, je vous explique, vous êtes là. Si on attend 3 secondes, si vous bougez pas comme ça vers là-bas. Ou si, enfin, comment je vous explique? Ici, si on voit pas que vous bougez, mais que vous nous sortez une arme à feu, on vous bute. Si vous partez par là-bas et vous prenez trop de temps, on vous bute pas, mais voilà. Par contre, si vous restez là pendant 5 secondes, on vous bute. Et par exemple, vous restez là 5 secondes, après vous faites comme ça, vous vous barrez, et bah non. Non, parce que là, vous avez pris trop de temps. Et donc là, en fait, voilà. Voilà, ici. Ouais, je change les mains, mais c'est pas grave. Ici, merde, faut que je change le code. Bon, bah c'est pas grave, parce que voilà. Ici, j'ai pas encore fini le buildage. Ici, nous allons mettre des perquisitions. Perquisitions de bijoux et de drogue. Ici, nous avons ici un petit héliport qu'il faut que je finisse. Voilà, donc on rentre là. Là, on a une petite route vers là. Là, nous avons notre... On a les trucs de colonel. Ici, lieutenant-colonel. Là, on a un petit stand de tir. Il va falloir que je change les trucs. Ici, on a des maisons. Donc je vais encore faire 3 maisons avec un garage au milieu. Mais voilà. Ici, vous avez... le général, donc moi. Ici, nous avons ici un petit truc qui permet de donner une petite carte bleue que j'ai fait moi-même. Voilà, ici nous avons le sergent, ici nous avons ça. Donc on a eu des petits problèmes, du coup on a changé. Putain, il faut vraiment que je mette des mini-kits. J'ai mis des midi-kits, mais assez cher parce que c'est peu de gens ont des midi-kits dans leur fac. Je montre. Aussi, à la fin, je vais devoir vous parler de quelque chose. Je le ferai plus tard, c'est pas grave. Donc voilà. Ici, nous avons le centre de tir, j'ai déjà montré. Ici, nous avons notre général. Moi. Donc bien sûr, tout ce que vous voyez là, c'est l'équipement général. Quand vous montez ici, bah, je vous ai déjà montré. Mais là, on a la petite... voilà. Mais ici, là, on a là. Voilà. Ici, on a notre petit héliport. Putain, dire que c'est Cray qui a fait ça. Je comprends pourquoi il est helper. Hein. Parce qu'en fait, je vous explique que Cray, c'est... il va créer une fac, donc il est helper. Me demandait si je pouvais aider son, il pouvait m'aider pour construire ma base. Donc j'ai dit t'es pas builder. Ouais vu qu'il est helper, je pourrais m'aider à build. Bon, je dis pas build carrément tout. Je voulais juste qu'il fasse des limites. Et lui, regarde ce qu'il me fout en fait. Lui, il me fait des trucs qui partent par là-bas. C'est qui se fait engueuler? Bah c'est Bibi. Regardez, je demande de faire à chaque fois jusqu'au bloc de gravier. Voilà. Lui, il part par là, il fait comme ça. C'est qui se prend les coups des insultes? C'est moi. Enfin. Bon, bref. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà ma base militaire. Elle va être agrandie, bien sûr. Je pense que je vais l'agrandir par l'arrière. Par l'arrière, je vais bien l'agrandir. Je pense que je vais rajouter... je vais faire tout ça. Hop. Hop, je vais faire un peu tout ça, enfin voilà.
vais faire ça comme ça. Je pense que je mettrai. Ah oui, au fait, Terreur, si tu regardes la vidéo, est-ce que tu pourrais ajouter un grade de militaire qui s'appelle le soldat? Parce que, en fait, surtout dans Gmod, en fait, vous avez les recrues, après vous avez les soldats, les sergents. Sauf qu'en fait, il n'y a pas les soldats, donc voilà. Donc, je voudrais bien qu'ils rajoutent les soldats, soldats M. Donc voilà. Donc voilà. Bon, bah, moi je vous retrouve un peu plus. Je vous retrouve après pour ici, là, parce que je vais. Pour vous parler un peu du serveur, comment il va marcher, tout ça. Parce que je sais des choses que certaines personnes comme Amine ou Chef, enfin, je pense, ne savent pas ce qui va se passer plus tard dans l'avenir. Donc voilà. Donc je vous retrouve juste après. À tout à l'heure. Et yo tout le monde, on se trouve le jeu de Matteo 114 sur. Enfin, sur. Oh putain, pourquoi je fais mon intro, moi? Mais quel con que je suis. Donc voilà. Donc là, je vais vous parler des choses qui vont arriver sur le serveur et qui sont déjà passées en plus. Je rec. Donc voilà. Donc je vais vous parler en fait des problèmes, enfin des défauts en fait, enfin ce qui va se passer. Bon, déjà j'ai pas pu faire dédicace sacrée. Je suis désolé les gens pour le manque de vidéos. Parce que je n'ai pas pu faire des vidéos sur CraftMy RP pour des raisons très simples. Mon launcher a bugué. C'est-à-dire qu'en fait le problème c'est que j'étais en hélico. Voilà. En fait, j'étais en hélico et j'ai décollé. En fait, j'ai eu un problème et je me suis en fait retrouvé dans le néant. Et ça a fait crash mon launcher. Je ne pouvais plus me reconnecter jusqu'à que le serveur ferme et rouvre. En fait, le serveur a fermé, mais pendant 4 jours parce que Pépito déjà d'une ne pouvait pas se connecter, je sais pas pourquoi. Et de deux, Ténébrailleur ne se connectait pas. Donc. Donc on n'a pas pu relancer le launcher. Quand le launcher s'est relancé, ils ont pris une sauvegarde quand j'étais buggé. Donc c'est-à-dire je ne pouvais pas toujours pas me reconnecter. D'une. Le serveur a refermé, mais Terraria a rouvert le serveur, mais avec une autre sauvegarde où je n'étais pas buggé. Donc j'ai pu refaire. Sauf qu'en fait, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus mon. Il n'y avait que le stuff recru. Et il n'y avait même plus la piste. Ça. Il n'y avait plus rien. J'ai dû refaire, ça m'a pris 2 jours parce que entre-temps j'avais collège. Et voilà. Et du coup, en fait, je n'ai pas pu refaire le tout ça rapidement, donc je n'ai pas pu sortir de vidéo. Parce qu'en plus, je devais faire des recrutements militaires, donc là voilà maintenant. Maintenant, le nouveau grade, bah c'est ça, la recrue, enfin, c'est brigade d'intervention rapide. Donc voilà. Maintenant, du coup, j'ai voulu me faire un double compte et pour me faire un double compte, j'ai dû demander à T-Warrior de me faire passer un autre launcher. Le problème, c'est que il ne marchait pas. Donc, je vous désespère en fait. En fait, je vous ai expliqué le problème de ce que j'avais. En fait, je ne savais pas que j'ai appris ça hier. En fait, quand j'avais Skype d'allumé, parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai lancé Skype sur le tout ça, je ne pouvais pas faire en fait lancer le launcher parce qu'en fait, ça me disait que le fichier zip n'était pas un. Donc en fait, il fallait que j'éteigne mon Skype pour le refaire. Et en fait, je ne savais pas, du coup, j'ai appris ça hier. Du coup, je n'ai toujours pas pu faire des... ça. Mais c'est quoi le site du... C'est quoi le site de... Ouais, non, je vais pas demander le site, en fait. Parce que vous allez savoir le site, en plus. Moi, je connais le mot de passe et tout. Je connais le mot de passe et tout. Et Cray, en fait... Cray, en fait, bah, il est à la console. Je sais pas comment il a trouvé le site. Putain, parle pas, fais gaffe, je suis en règle là. Fais gaffe, je suis en règle. Donc voilà, c'était ça le problème. Maintenant, point positif, en fait, ils vont faire un nouveau launcher le 1er janvier, donc 2017. Voilà. Donc, super cadeau pour une nouvelle année. Ils vont refaire le launcher, donc ils vont faire une V3 avec, en rajoutant ça, il y a déjà plein de mods. Enfin, je peux pas vous montrer. En fait, il y a plein de modes. Donc, il y a tout ça comme mode. Bon, je pense pas. Voilà. On a tout ça comme mode. Tout ça. Tout ça.
Et en fait, ils vont ajouter MC Helico, Bibliocraft et Funny Mode, un truc comme ça. Je rec. Donc voilà, donc ça doit être soit Terraza soit Cray qui me fait une blague. C'est Cray qui me fait la mauvaise en fait. Regardez, slash list. Il n'est pas connecté, du coup il ne peut pas voir que quelqu'un est sur la console. Voilà. Voilà, donc en fait ils vont voilà, ah, ils vont refaire un nouveau truc, du coup voilà. Du coup je dois refaire toute la base militaire et en fonction de d'humeur de tes warriors, je pourrais peut-être agrandir ma base militaire. Donc soit je les fracasserai et je la referai autre part comme un peu plus loin parce qu'en fait c'est elle est un peu petite et je ne peux pas l'agrandir. C'est ça le problème. Donc voilà. Du coup, voilà. Donc, voilà. J'avais que ça à dire. Donc, moi, je vous dis à plus tout le monde. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Dans la vidéo de la dernière vidéo que j'ai fait, je crois, les slash info, allez la voir en description. Il y a, dans la description de cette vidéo-là, il y a une chaîne YouTube de mon chef builder, Emer Bonny, que je fais une dédicace. Il y a sa chaîne YouTube, donc, qui fait des bonnes vidéos. Bon, il fait plus trop de vidéos, il se connecte plus trop sur le serveur. Mais allez regarder et abonnez-vous à sa chaîne. Moi je vous dis à plus tout le monde, bye bye, likez, partagez, abonnez-vous, c'est vous les meilleurs.